suis. Des nouvelles, Barbara ? Non. Ça fait déjà 2 jours. Je suis inquiète. Vous savez comment il est depuis. Je le trouverai. J'espère vraiment. Harley Quinn prépare une sorte de siège. Qu'est-ce qu'elle trafique ? Trouvez Batman et fichez le camp d'ici. Compris ? Enfin, Barbara, vous me connaissez, non ? Vous parlez comme lui. Tu m'as laissé pour mort. 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 Tu m'as laissé. C'est qui ce gros naze ? C'est Robin ! Tuons-le ! Barbara, j'ai trouvé les policiers disparus. Quinn les retient. Pas de traces de Bruce ? Négatif. Je continue à chercher. Harley a dit aux policiers qu'elle avait une sorte de plan pour eux. Ils sont en sécurité pour l'instant. Soyez prudents. Tout se passera bien. C'est promis. Vous croyez ? Il n'est plus le même homme depuis que... Il ne parle même pas de Talia ni du Joker. On l'aidera quand on l'aura trouvé. C'est tout ce qu'on peut faire. Allez... Le GCPD va débouler ici. Ils vont vous tuer. Vraiment ? Moi, j'en suis pas si sûre. T'es dingue. Non, je suis en deuil. Nouvelle de Harley ? Non, elle doit sûrement chialer. Vivement qu'elle se remette de sa mort. Ça devient un vrai boulet. Et alors ? Robin, il est là ! Pas la moindre choix. Harley est devenue dingue à la mort du Joker. Elle était timbrée avant ça. Ouais, ben, maintenant, elle est pire. Elle rêve de se venger. T'as entendu ? Au moins, elle a la chauve-souris. Elle sera mort. Quand j'aurai tué ce crétin, tout ira bien. Ensuite, je
pourrais peut-être venir te voir. Quoi ? Non, rien. Est-ce que tu viens d'essayer de me draguer ? Non, enfin, je suis juste amical, j'essaie d'aider. Je suis veuve. Tu crois vraiment que tu peux me te pardonner ? Ramasse-la ! Pas question, mec ! Ce truc est dangereux ! T'as vu ce qu'il a fait ? Quoi ? C'est qu'une seule... C'est Roddy ! Contentez-vous de couvrir ce site. Je ne veux pas que cette sanglée sorte d'ici, c'est compris ? Harley Quinn ? Comment vous avez deviné ? Ces sbires ont coincé mes gars et les ont traînés jusqu'à la scierie. Impossible d'approcher. Je m'en occupe. Vraiment ? Vous savez qu'elle vous en veut. C'est peut-être un piège. Repliez-vous et essayez de protéger tout le monde. Je vais m'occuper du reste. Pitié ! Voilà un policier. Pitié ! Vous n'avez pas à faire ça ! Bien sûr, on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait bobo !
C'est fini. Ah, je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? On nous a piégés. Ils nous ont sortis de la Syrie et ils se sont déchaînés sur nous. Après, ces ordures ont embarqué les autres et ils m'ont amené ici. Cachez-vous. Vous, les flics. Harley les a déplacés. Tu sais très bien où. Oh, dans la passe. La ferme, crétin. Oh, personne n'est censé le savoir. Piché. Batman est là! Les sbires de Quinn parlaient des policiers disparus. S'ils étaient ici, je peux certainement repérer des pistes. À toutes mes unités, ici Gordon. C'est une radio de la police. Je dois analyser la scène. Sur place et en fait, je pourrais les retrouver. Tous les membres du GCPD doivent se replier immédiatement. Ce sang appartient aux policiers. Je dois le suivre pour voir où ils l'ont emmené. Qu'est-ce qu'on fout là? À garder ce putain de boîtier. Je croyais que ce coin était secret. Qui viendrait par ici, de toute façon. Dis-moi comment franchir cette porte. Et ne t'avise pas de mentir. Je le saurai. Bon sang, Harley a donné des cartes codées à des gens de confiance. Il faut 3 codes pour entrer, pitié. Je te dirai où ils sont, mais ne me fais pas de mal. Je ferai de mon mieux. C'est ce type qui a le code. Je dois absolument l'épargner jusqu'à ce qu'il me dise ce que je veux savoir. On doit faire quelle température exactement pour qu'on nous donne des manteaux? C'est pas tout. Donne-le-moi, ou ça risque de faire mal. Le voilà! Pitié, je veux pas de problème. Trop tard. Donne-moi le code. Ouais, pas de problème. Tu vois, je fais ce que tu veux. Mais ça, je n'en ai jamais douté. Vite! Pitié, me fais pas de mal! Le voilà! Bonne nuit. Bon, te fais pas de film, je peux pas te garantir que ça restera comme ça. Regarde bien, si je te tue pas, l'un de mes potes s'en chargera. Vas-y, jette un œil. Tu vois ces fusils de sniper, ça fait mal. Il paraît qu'on peut viser d'infimes parties du corps et les déchiqueter une par une. Oh, allez, joue pas les surpris. Franchement, regarde, je suis un des méchants pigés, et toi t'es un des gentils. On pourra jamais s'entendre. Ça fonctionne comme ça, on peut rien échanger. Alors, peu importe ce que je te fais, tu sais qu'à la fin, si t'es encore ligoté et que j'ai l'occasion de le faire, je te tuerai. Ah ouais, je te torturerai peut-être,
Je te couperai une oreille, ou même les deux. Mais j'aurai ta peau. Ah, ne fais pas le coup de mal. Si ça fait que commencer! Tu veux que je prenne soin d'elle quand tu seras mort?